Bonjour à tous et bienvenue sur les mini DBM. Aujourd'hui, on va parler de ça. C'est un mini kit d'assemblage pour tourillon de chez Worldcraft. Ça coûte 5 euros en magasin et c'est vraiment très pratique. Je vais l'ouvrir, il est tout neuf, je viens de l'acheter. Je vais l'ouvrir et on va voir ensemble. Alors, dans la boîte, vous avez des tourillons de 6 parce que c'est un kit 6 mm que j'ai acheté. Donc, une mèche à bois 6, une butée de profondeur. Et ça, c'est le plus important. En fait, c'est ce qui va vous permettre de faire vos repères sur le bois. Je vais faire une petite démo pour vous montrer comment ça marche, ça va être très rapide. Donc le but du jeu, ça va être d'assembler ces deux planches comme ça. C'est des chutes, hein, elles sont potentiellement pas droites, mais c'est bon, c'est juste pour vous montrer, c'est juste pour l'exemple. Donc on va venir assembler ça ici. Alors première étape, je trace des repères sur cette planche. J'équipe le forêt à bois de la butée de profondeur et je mets à peu près au milieu du tourillon. Et je vais percer cette planche. Ensuite, et c'est là toute la magie du truc, je vais utiliser ça qui est fourni avec. Je les mets dedans. Voilà. Je vais venir positionner ma planche là où elle va être. Donc là, je le fais un peu grossièrement, mais c'est pour vous montrer, hein. Voilà, je ne me suis pas bien aligné au bord, tant pis. Et là, j'appuie. Et du coup, j'ai sur la planche les repères où il faut que je perce. Donc je fais la même opération, je perce. Voilà. Et j'ai plus qu'à mettre un tourillon ici, un tourillon ici. Je retire ça. Et normalement, tac. Bon là, je l'ai vraiment fait à l'arrache, hein, mais vous voyez que c'est quand même hyper rapide. Et en fait, c'est grâce à ça que vous pouvez mettre dans les trous et qui vous fait les repères sur la planche avec laquelle vous voulez faire votre assemblage. Bon alors voilà, c'est vraiment pratique ces petits trucs-là, ça coûte vraiment pas cher. Le seul défaut, c'est que du coup, il faut avoir toutes les tailles, 6, 8, 10, etc., en fonction de ce que vous voulez faire. Donc moi, j'ai pris du 6 là, mais voilà, il existe d'autres tailles. Et ça fait vraiment bien le boulot, c'est vraiment un petit outil pratique pour faire de l'assemblage bois. À bientôt sur LBM!